Salut à tous les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour la suite et la fin de notre aventure sur Wolfenstein Youngblood. C'est parti, hein, tout simplement. Alors cette vidéo, désolé, vous voyez, cette vidéo va durer assez longtemps, donc puisqu'on attaque vraiment la fin de notre aventure, la dernière mission principale, hein, tout simplement. Et j'espère que ça va être à la hauteur de ce qu'on attend, c'est-à-dire, à mon avis, là, dans cette partie qui va durer plus qu'une heure, ça j'en suis quasi sûr, entre une heure et demie grand max, je pense qu'on va affronter tout, mais je dis bien tous les boss qu'on a affrontés depuis le début de l'aventure. Que ça soit du petit chien, là, le petit chien robot, jusqu'au grand frère, quoi. Les grands frères qu'on a affrontés durant les derniers épisodes. Les frères 1, 2 et 3. Donc là, ça va être du très gros lourd, hein. Du très très gros lourd. Alors, où est-ce qu'on doit aller? La vie partagée, c'est bon, on est à fond. Allez, on continue notre aventure, hein. Alors, il y a une opération de sauvetage des civils, mais bon, là, pour l'instant, on verra, hein, si on peut les sauver en cours de route, on le fait. Si on peut pas, bah, tant pis. Allez, on va exploser ça, maintenant qu'on a l'arme. Et on prend tout ça. Désolé du bruit. Je ferme un petit peu ma fenêtre, hein, puisqu'il y a énormément de bruit dehors, et je coupe ce putain de téléphone. Voilà, désolé. Allez. Alors là, c'est un endroit pour l'instant qu'on connaît, hein, mais on est arrivé par derrière. C'est un endroit qu'on connaît un petit peu. Ah, voilà. Crève, toi. On va essayer de faire le tour de l'autre côté, on va essayer de les... Oh, wow! Putain, mais... On s'en joue nulle part, là. Mais crève, bordel! Voilà! Allez, on va aller par là. Niveau munitions, c'est pas fameux, hein. Tout ce qu'on doit affronter. Oh putain, voilà, ça y est, ça démarre. Voilà. Oh le chien, oh casse-toi le chien. Bah, une bonne quelques grenades dans la gueule là. Ça va les calmer un petit peu. Ouais, crevé. Casse-toi de là, toi. Ah, c'est la guerre, hein. Là, dès le début de l'aventure, c'est la guerre, les amis, hein, puisque là, à mon avis, ils vont arriver par vingtaine, hein. Là, c'est vraiment la fin de l'aventure, il n'y a pas le choix, hein. Faudra se démerder pour tous les tuer. Ça tire d'où là? Ça tire d'à droite. Oula, oula, doucement. Y'a quoi là? Ça vient d'où? D'en haut ou en bas? Ou à droite? En haut? Oh putain, encore lui! Oh là là! Qu'est-ce que je vous avais dit? On va tous les faire là! On va tous les faire ces boss là! C'est pas possible, oh, putain! Ah là là, ça va être la merde! Oh, ça va être la merde, les gars! Ouh ouh ouh! Oula, je le sens mal. Ah, mais cela, il faut vider un chargeur entier et toutes les balles pour les avoir, ces saletés de robots, là. Allez, allez, allez. J'arrive plus à faire... Oh, putain. Je crois que j'ai besoin de voir un médecin. Ah, ce putain de robot à la con. Arrête, le moment était bon.
Ah, ça fait rien cette merde. Ça fait rien. Non, ça fait rien du tout. Pour le genre de boss comme ça, on va pas trop parler, hein, parce que c'est vraiment super galère à les avoir. Bon, ça fond. Bon, je vais juste commenter quand il y a des petits boss, c'est facile. Ouais, c'est trop galère. Bon, tu vas crever, le bordel de merde! Voilà! Enfin! Allez! Boum! Voilà, parfait! Ouh! Il y a des petites choses en haut, on va aller monter là-haut, voir ce qu'il y a. Dans cette partie, ça va être assez long. Parce que, bon, évidemment, il y a énormément de boss à tuer. Plein d'ennemis à tuer. Et on va aussi prendre notre temps hein, pour essayer de ramasser le maximum de choses. La santé, des munitions, des grenades, peu importe. Tout ce qu'on peut trouver, on va fouiller les moindres recoins pour bien affronter le boss final. Parce que je pense qu'on en aura besoin, voilà. Mais on va ramasser tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut, on le ramasse. Bon, la moindre chose, hein, même si c'est une balle, je m'en fous. Je ramasse tout, même les sous. Ça peut toujours servir. Qui a rejoint le camp nazi aux toutes premières heures de la guerre. Donc si vous voyez que je tarde dans certaines zones, c'est normal. J'essaye d'être à fond. Ça m'évite à chaque fois de repartir dans les catacombes, de recharger à fond les munitions et tout le bordel, ça va être chiant. Donc là, on file d'une traite. Et on ramasse tout ce qu'on peut. Pas de problème. Ok. Je viens de l'apprendre de la bouche d'autres résistants. On leur a tendu un piège, mais la plupart s'en est sortis. L'un d'entre eux aurait vu Lothar et Juju escortés par un escadron d'élite nazi. Je voulais vous prévenir. Ah bah les otages sont juste là, c'est parfait. On a fait un bon petit détour. Ça nous a évité d'affronter les ennemis qui étaient à mon avis de l'autre côté du bâtiment. Bah voilà, ils sont juste là. Parfait. Allez hop. Et hop. Voilà, cassez-vous de là. Merci. Ça t'es moche, hein. Là, casse-toi, toi. Tais-toi. Voilà. Allez, on se casse, on va directement de notre mission. Ça, c'était une partie secondaire, hein, sauver les otages, hein, c'était rien d'important. Voilà, ça recommence. Ah, bon, ah mais je les impasse ceux-là, là, les flashs, là, l'espèce de Terminator chelou, là. Oh putain, c'est une galère. Casse-toi. Bon, voilà, et voilà, voilà le frère 1. Enfin, le frère 1, je sais pas si c'est frère 1, ni 2, ni 3. Mais voilà, quand je vous disais au début que. On va devoir tous se les taper maintenant qu'on arrive à la fin. Ça va être galère. Là, bordel de merde. Hop. Ah ouais, non, mais le mec, il tape du pied par terre, et il fait ce que toute la terre est... Voilà, ben voilà. Je vais blesser ma sœur, je pense. Il faudra gaspiller toutes nos balles, putain de merde. Tout ce qu'on a ramassé, là, il faudra les gaspiller pour cette connerie. Oh. Toujours à la sauver, ça. Mais te mets pas en plein milieu, espèce de conne, viens ici. Abrite-toi, bordel. Putain, elle va dans le tas, quoi. Putain. Reste dans le coin, quoi, bordel.
Ah, voilà, bah oui, bah évidemment, hein. T'es marrant, toi. Maintenant, il me vit sacrifié, maintenant. Reste dans le hall de l'immeuble, là, au lieu de te foutre en plein milieu, là. 15 pas de là, quoi. Continue comme ça. Oh, merci. Non, putain, il me reste plus rien, bordel de merde, pour affronter cette connerie. Et où? Vas-y. Ça lui fait rien, hein. Ça lui fait pas grand-chose, l'électricité, hein. On va lui lancer une grenade. Hein. Pas grand chose. On va essayer la batterie. Ah, ça marche la batterie. Ça marche. Bon, pas énormément, mais ça marche quand même. On va essayer avec ça. Mais si. On va tout vider, bordel de merde, pour cette connerie. Allez. Allez, bientôt fini. Voilà, on lui a explosé ces trucs derrière. Hé, la sœur t'abuse, là. Casse-toi de là, toi. Voilà, comme ça, je peux passer. Hop. Allez. Encore un petit chouïa, et c'est bientôt fini. Crève, connard! Allez! Explose! Badaboum! Voilà! Putain, mais tout ce qu'on a mis sur lui, quoi! Oh. Et j'en suis sûr que c'est pas le premier ni le dernier hein, qu'on va affronter comme ça. Hein. J'en suis sûr, mais quasiment sûr! Putain, avant le boss final, là... Fou, lolo. Ça va être compliqué de les rejoindre. Et on est encore très loin encore de ce boss final, hein, j'en suis sûr. Bon, on va fouiller le maximum. Les endroits. Pour ramasser le maximum de choses. Je prends. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Des sous. Qu'est-ce qu'on peut prendre là? Encore des sous. Documents. Sous. Une disquette. Je sais pas à quoi elle va me servir maintenant. On va aller directement prendre la vie partagée puisqu'il nous manque un. Donne-moi un coup de main. Je peux pas tout faire toute seule. Voilà, parfait. Comme ça, on est à 3. Je me demande s'il y a quelque chose en bas. Je vais déjà ouvrir les portes. Et après, on va voir ce qu'il y a en bas. C'est bon. Ouais. Allons voir ce qu'il y a en bas. Je suis sûr qu'il y a des petites choses encore à ramasser. Ok, là, il n'y a rien. Ah, une porte, là. Ah, voilà. Il y a des petites choses, là. Tac, 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 parfait. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. J'ai vraiment cru qu'Abby allait y passer. Elle s'en est sortie, sauf... C'est ce qui compte pour le moment. Bon. Bon, de toute façon, c'est pas possible d'aller au plus bas. Hein. Donc, c'est pas grave. Écoute.
Écoutez-moi ça. Juju, alias Julie Brandt, a mené l'attaque sur la résistance ayant conduit à la capture et à la mort de son chef, Emmanuel. Elle l'aurait torturé pendant des jours pour faire plaisir au général Lothar. Ces fils de pute de nazis sont des monstres et doivent crever. Compris ? Ok, la Beau X, ou la Beau 10, je sais pas comment ça se dit, hein. Je pense que c'est la Beau X. On approche du boss final. Enfin non, on approche pas du boss final, mais c'est dans cette direction, quoi. C'est dans le Labo X qu'on va devoir l'affronter, je pense. Chargement toujours un peu long, comme d'habitude. Ça change pas. Ok. Ok. Ah ouais, d'accord. Le mec, il doit être tout en haut, hein, j'imagine. Et là, on va devoir affronter encore des saletés de conneries. Donc, je vois un chien là-bas au fond. Enfin, un espèce de lion, hein, le lion robot. J'appelle le lion et le chien. Hein. Moi, le chien, c'est le plus petit et celui qui jette les feux, là, avec sa bouche. Ça, moi, j'appelle ça le lion. Ouais, appelez ça comme vous voulez, voilà, celui-là c'est le gros lion. Et le chien c'est celui qui fait le laser. Qui tourne. Le lion et le chien. Voilà, c'est une grenade. Voilà. Parfait. Voilà, il est bientôt fini. Son point faible c'est son ventre, c'est mignon. Voilà, c'est là. Allez. Allez, 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 allez. Allez, explose, mon gars, explose. Explose, balabo. Voilà, parfait. Oh. Ensuite. Allez, venez, les gars, venez. J'ai plein de petites balles pour vous. Il y a aussi des grenades aussi. Ouah, putain, il y en a pas. Allez, manger ça. Boum. Voilà. Ça va les régler un petit peu. Allez, cassez-vous, bande de conneries. Bande de saleté, cassez-vous. On va essayer de ramasser le maximum. La santé, c'est bon. Ça, l'armure. Ne me touche pas, toi, là-bas. Il est un peu trop loin. Je vais essayer de me régler son compte après. Allez, tu veux te battre? Attends que j'arrive. T'es où? Allez, prenez ça, balabou! Voilà, mais dans le même temps. Vous en voulez, vous aussi? Allez, pam! Qui en veut? C'est gratuit! Reste là, toi. Essaye! Allez, on va leur faire un petit coup de laser, là. Boum! Allez, le laser. Ouais, je l'ai même pas vu. Allez, mange! Mange ça! Voilà, parfait. Allez, casse-toi de là-bas, toi. Hop! Il est où? Putain, t'es là-bas, toi! Dégage! Allez, on prend tout ça, tac, 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 merci. Alors, il y en a là-bas au fond. Casse-toi. Merci pour tes munitions. Tiens, on n'aura plus besoin. Ok, ok, ok. Hop, hop. Oh putain, mais pas toi encore! Casse-toi de là, bordel! Voilà. Bon, il y a forcément un endroit pour entrer dans ce labo. Ah, il y a un métro ici. On va aller voir le plan là dans le métro. Regarde, il y a un peu de lecture. Alors, place 1. Ok. Parfait. Ouais, je pense que c'est ça. Hein, parce que là, les autres, ça c'est des missions secondaires, on va pas les faire. Voilà. Ok. Voilà, comme ça on a les repères. C'est plus simple que de tourner en rond pendant 3 heures. Ah ouais, un génial truc, hein. Ah, franchement, je l'aurais pas pensé,
Je l'aurais pas vu là, l'affiche. Ça ouvre ou pas? Ah, ah. Eh ben. Un génie, c'est nazi. Allez, entrez dans le labo X. Et là, ça commence à devenir sérieux. Là, on rentre vraiment dans le labo et ça va être encore pire de ce qu'on a vu dehors. Les nazis ne tiennent plus que l'Europe. J'en suis quasi certain. Parce que là, des surfaces grandes, énormes comme ça, c'est pas anodin. C'est sûr qu'il y a des énormément de choses à faire dans ces zones-là. Enfin, beaucoup de nuits à tuer, surtout. Bon, par où il faut passer maintenant, parce qu'il y a des lasers de partout maintenant qui bloquent le passage. Je piche pas. Ah non. Les nazis ne tiennent plus que l'Europe. Pourquoi le reste du monde leur met pas une raclée? Papa m'a dit que c'est parce que les gens sont trop cons. On va essayer avec ça déjà pour voir cette caisse. T'es sérieux là? Juste une pièce? Ils se foutent de ma gueule. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? On peut pas ouvrir ça. Hein. Où est-ce que je peux y aller? Parce que là, je peux pas passer par là. Non, il faut que j'escalade quelque part. Il y a forcément une entrée par en haut. Ah! Voilà, ça y est. Par là. Hop là. Voilà, nickel. Ok. Parfait. Ok. Bon, et du coup, faut passer par où maintenant? Il n'y a pas un truc pour passer là? Non. Je peux pas passer. Merci pour les lunettes. Ah oui, j'ai même pas vu la pièce. Ok, on descend. Oh, essaye, ça recommence. Là, ça démarre, ça va être du gros lourd. Yo. Il est fou, ce lâche, là. Oula, oula, c'est quoi ça? Waouh, waouh, waouh. Ça se passe où? Ah, voilà, ça c'est le chien. Que j'appelle le chien, là. C'est là que c'est laser. Casse-toi de là, toi. Faut lui viser au milieu, là. Dans son œil. Voilà. Elle a toute sa vie à exploser, maintenant. Allez, crève. Voilà, parfait. Oh, putain, vous êtes encore là, vous? Tiens, mangez les grenades dans votre gueule, là, ça va vous calmer. Allez, tiens, encore une. T'en as pas eu assez. Voilà. T'en veux une, toi? Mange. Voilà. Une achète dans ta gueule, ça va te calmer. Voilà. Ça, c'est réglé en 2 secondes, on va pas se casser le cul. À gaspiller des balles pour ça. Ok, il faut que j'aille par là, j'imagine. Oula. Putain, il y a encore un autre chien là-dedans. Par où vous passez là? Putain, ils sont bien gardés, hein, ces nazis à la con. Hein. Oh là là. Ah, mais monte, bordel. Allez hop. Wesh, je veux pas monter. Bon, on va monter par là. Allez, monte. Je vais
Et là, bonjour les dégâts, ça va être encore de pire en pire là-dedans. Ça va être la guerre. Aide-moi par ici, s'il te plaît. Les filles, la dernière partie des bandes de Lothar est défragmentée. Écoutez un peu. Ich habe einen Plan. Ich habe herausgefunden, wo sich die Terroristen verstecken. Wenn Berlin mich ausschalten will, flüchte ich mit Jutu in die Katakomben von Paris. Dort infiltrieren wir das Hauptquartier der Terroristen. Wir werden sie benutzen, um gegen die Treulosen zu kämpfen und Operation Aufstieg zu starten. Es wird vielleicht etwas dauern, aber glauben Sie mir, General Messer, am Ende werden wir siegreich sein. Heil dem Vierten Reich! Voilà, c'est tout. Terminé. Bon, on a ouvert la porte. Ça, c'est fait. Il y a un autre robot au fond. J'ai pas envie de l'affronter encore. On va essayer d'aller discretos, même si la discrétion, là, dans ce jeu... on l'aura jamais, je pense. Maintenant qu'on va devoir affronter tous les boss... ça va être galère de la jouer en infiltration. Du moins, on va essayer un petit peu. Mais je pense pas que ça marchera, hein. Dans quelques secondes, ça va merder, je le sens. Mais bon. Il y a un autre ennemi au fond, là, je le vois, il arrive vers nous. Ah, il arrive. Hein.
De toute façon, il faut que j'aille de ce côté-là, donc je suis dans la merde déjà. La discrétion, elle a duré quelques secondes. Allez, crève! Oh merde, la grenade! Oh putain, j'ai lancé sur moi, quoi. Elle a rebondi sur lui, elle est revenue sur moi. Crève, enfoiré! Il est pas, hein. Voilà. Putain, il est pas encore mort, ce coup. Voilà. Préparez-vous du coup au fight, les amis. Hein. Préparez-vous du coup au fight parce que ça va arriver par. Voilà, je sais pas à combien ils vont venir, mais ça va être galère. Là, on est rentré dans le vif. Dans le vif de Wolfenstein. Ah, mais me touche pas, quoi, là-bas. Eh, merde, encore une. Oula, oh, popo. Il est derrière nous, ouais, il est derrière nous. Allez, crève. Pas crever, hein, carré. Aouh. Daisy, t'es où? Oh putain, il a terminé ton copain là. Bon, oh, allez. Voilà, parfait. Ne touche pas, toi. Casse-toi. Putain, ça ne fait rien, ça fait ricocher les HS là. Allez. Voilà, parfait. Eh, hey, mais toi, tu m'énerves, toi, la blondinette à la lunette, là. Hein. Me casse les couilles, mec. Ouais, alors, il y en a plein, des filles comme ça. Hein. Tiens, mange-toi là-bas. Oh, merde. Serait, pour une fois que c'est toi qui dois m'aider. Merci. Putain, mais elle veut pas crever, sale merde, va. Viens ici. What? Elle est où? Viens là! Pourquoi tu te caches? Casse-toi! Elle est où, Fel? Il va cracher ses tripes, ce commandant! Allez, on va essayer avec ces machines-là. On va essayer d'en avoir quelques-uns. Surtout la grosse machine qui est juste ici. Allez! Crève, sale merde! Oh putain. Allez. Cette petite grenade, ça lui sert à rien, ça. Ça lui fait rien du tout. Hop là. Allez. Ah ouais, non, mais ça charge bien en fait, hein. Ça lui bousille bien la vie, hein. Boum! Ah ouais, on l'a presque vidé déjà. Allez, on va finir avec ça. Allez. Voilà, parfait. Allez, crève, c'est bon. Continue, Serette, t'es une vraie championne. Bon, avec très peu de munitions. Désolé. Oh putain, j'ai un truc dans la gorge, un truc de ouf. Oh putain, désolé. Ah, un petit peu d'eau. Ça soulage. Bon. Bon, alors. Après avoir toussé. Où est-ce que je dois aller? Ah oui, de l'autre côté. Mais je vais essayer de ramasser le maximum de choses. Pour essayer d'être au taquet et de ne pas me manquer de munitions. Voilà, ça c'est parfait. Ça j'aime bien ces petites zones-là. Il y a des petites choses à ramasser là. C'est nickel. Ah, oh, ça j'adore. J'adore quand je ramasse des petits trucs comme ça. Ok. Allez. On traverse la porte. Et de l'autre porte, de l'autre côté de la porte, ça va être encore pire. C'est donc là que papa est censé se trouver, alors? Et si
Ils avaient mené des expériences sur lui. Non, mais vaut même pas y penser. Ouais, ça doit être en dessous. Ouais, ça doit être là. Ah, mais il y en a déjà deux là. Ah, ouais, il y en a qu'un seul. Je croyais qu'il y en avait deux. Oh, c'est là-bas. Venez ici, bande de merde. Casse-toi de là, toi. Ne touche pas. C'est où? Allez, venez. Eh merde, y'a le lion maintenant. La grosse bébête. T'as crevé, oui. Ouais, on va trouver que ça, ça te calme direct. Voilà, c'est bon, on a bientôt fini. Un petit coup de laser, ça va te calmer. Boum. Voilà, parfait. Explose. Voilà. Waouh, 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 waouh. J'ai peur. Qu'est-ce que tu fais là? Casse-toi. On ramasse. Je vais tout fouiller, hein, les amis, hein, je vous dis direct. Je vous ai dit ça au début de la vidéo, que je vais tout fouiller le maximum de choses. Désolé du bruit. Je sais pas si vous l'entendez en fait le bruit, mais. Waouh! Ah, toi t'es là-haut, toi! Attends, attends, que je t'attrape. Ah, attends, lève-toi. Viens ici! T'es où? T'es où cette connerie là? Par où on peut monter là? Non, pas par là. Ah, par là. Oui, c'est bon, t'es par là. Allez, dégagez de là. Allez, 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 allez. Pas crevé, hein. Toi, c'est bon. Mais si. Allez, dégage. Voilà. Allez, on va ramasser tout ce qu'il y a là. Merci, merci, merci. Ok. On y arrive. Hop là. Y'a rien à ramasser là. Ok. On va prendre la petite grenade et on sort d'ici. Oh, 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 j'aime pas cette zone. J'aime pas cette zone. Non, 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 je le sens pas du tout cette zone-là. Je sais pas pourquoi, elle est trop énorme cette zone-là. C'est pas bon signe. Et voilà, ah ben, c'est bien ce qui me semblait. Oh, je vais me taire pour cette partie parce que je sens que je vais galérer. Tous les soldats en bas.
Ces disquettes sont vraiment toutes molles. Bon, on a le code, c'est parfait. 1, 2, 3, 4. Allez. On s'approche. On continue. Alors, j'ai fait exprès de ne pas parler pendant toute cette partie-là, parce que c'était un peu chamboulé. Donc là, je pense que ça va repartir de mon pied, hein, parce que ça va être encore pire que tout à l'heure. Allez, vite partager, c'est bon, là. Allez, on y va. Allez, cette porte. Voilà.
Oh non, c'est une blague. Obtenir la clé des commandants. Évidemment, les commandants, ils doivent bien être cachés. Il faudra affronter ces conneries. Allez, 1, 2, c'est parti. Et là, bienvenue en enfer. Ah bon, ça recommence la merde. Oh là là. Oh putain. Encore ces saletés de frères à la con. Oh là là. Oh putain. Oh, je le sens pas. Oh, que je le sens pas, cette petite partie là. Ça va être la merde. Ça va être la grosse merde. Ah. Merci pour la première clé. Allez hop. On va essayer de trouver rapido sa deuxième clé. Il est où le commandant? Aïe. Commandant, il doit être dans cette zone. Il doit être en dessous. Il doit être par là, là. Il est où? Ah, il est en train de monter l'escalier. Il monte. Voilà. Allez, crève. Allez. Parfait. Merci pour la deuxième clé. Maintenant. Oula. Oh putain, pas encore deux. Là, il faut trouver un moyen d'insérer les deux clés en bas. Mais le problème, c'est que en bas, il y a tous les cons qui sont en bas. Plus cette merde là. Et si je descends, ils ne blesseront pas. Ils vont pas me laisser le choix de descendre et d'insérer les clés. C'est ça qui va être galère. Faudra vraiment que je les tue tous. Surtout le gros balourd. Pour pouvoir insérer les clés. Et ouvrir l'autre porte. Ah bon. Je le sens pas du tout cette partie. Mais je le sens mal. Mais je le sens très très mal. En espérant ne pas crever. Tu vas crever, saleté de connerie, va. T'es pas crevé, hein. Pas crevé, le connard. Putain, l'électricité, ça ne fait rien du tout. Il n'aime pas les décharges électriques, cet abruti. Ah bordel, je le sens pas, mais je le sens mal. Mais tu as crevé, bordel. Allez, explose là. Voilà. Bon, ça c'est fait. Mais j'imagine que dès que je vais descendre en bas... Ça va être la merde. Des lunettes 3D, j'en ai déjà entendu parler. Alors, on ramasse le maximum de choses. De balles, de santé, tout ce qu'on peut. Allez. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit quoi? Je vais descendre, je vais essayer d'insérer les clés, ils vont tous arriver. Oh putain. Allez, serrez, courage, courage. Oh putain, il sort d'où lui? Merci, Sam. De toute façon, il faut que je les élimine, j'ai pas le choix. Ah, il y a un deuxième qui arrive, putain, il y a même un deuxième, c'est une blague ou quoi? Il y a un deuxième plus un troisième. Putain, il y a trois grands frères là, c'est quoi ce bordel? Je rêve, j'en ai vu trois là, non? Enfin, non, j'en ai vu deux, plus celui que j'ai eu là à l'instant. Mais il y en a un autre derrière ou quoi? Oh non, ne dis pas qu'il y en a un autre derrière, c'est une blague.
Hé hey. Toi, ne me touche pas, toi, tu m'énerves. Toi, tu m'énerves. Casse-toi. Casse-toi. T'es pas crevé. Hein. En plus, je suis dans la merde et j'ai plus de munitions. Enfin, j'ai plus de santé, quoi. Casse-toi. Putain, oh non, elle est arrivée, l'autre. Oh, merde. Bon, allez, sacrifie une vie, c'est pas grave. On en a encore deux. Allez, hop. Casse-toi de là. Viens ici, viens ici, viens ici. Acte caché. Voilà, bien vu. Allez, on prend la vie partagée. Comme ça, on en a 3. Voilà, nickel. Oh, putain. Je sais pas si je vais pouvoir tous les affronter. Il faut que je les... Je me sépare de... Enfin, que je fuis à un moment donné, quoi. On va essayer de... Non, ça fait rien. Hein. Ça lui fait rien l'électricité, vous voyez, ça bouge même pas. On va essayer peut-être d'insérer les clés, non? Comme ça, ça fait pas de l'autre côté et on pourra ouvrir la porte et fuir. Parce que là, si on commence à gaspiller tous nos balles sur cette connerie et sur les autres ennemis, ça va être vraiment galère, je pense. Hein. Ah putain, c'est une blague, c'est une merde. Oh, ça fait chier. En train de tout bousiller, tout niquer sur ce merdier là. Ah, les bastos, ça peut m'en débarrasser. Allez, il est bientôt fini. Eh si, petit con. Explose, saleté. M'a explosé à côté de ton petit frère. Voilà, parfait. Bon, allez. Là, on va direct insérer les clés, parce que là, sinon, on est encore là demain. Ouais. Oh, putain, il y en a un, deux, un troisième. Non, mais allez, c'est bon. Eh, faut pas exagérer, il y en a un infini, des conneries comme ça, ou quoi, là? Oh, non, non, allez, on va insérer les clés, c'est bon. Oh. On va insérer la clé. Tsof, va essayer d'aller de l'autre côté sans crever, s'il te plaît. Parce que là, oh. Ok. Ordinateur déverrouillé. Je vois. Oh putain, pourquoi elle est blessée, bordel de merde. Les protocoles de sécurité de ce système. Allez, vite. Laissez-moi 2 secondes. Allez. C'est bon, les lasers sont en train de partir, mais là, maintenant je suis coincé. Oh, casse-toi de là, toi. Mais touche pas, sale bête. Putain, mais il y en a plein dehors aussi. Wouah, c'est la guerre mondiale. Casse-toi, toi. Toi aussi, dégage. On va l'attaquer au gueule. Allez, crève. Boum. Ouais, c'est bon. Casse-toi. Bon, vous savez quoi? On se casse. Allez, on se casse. Vite. Ouais, non, toi, ne touche pas, toi. Non, j'ai pas envie de casser toutes tes balles. Allez, alors, on se casse. Ouais, c'est bon, à un moment donné. Allez, sauf, suis-moi, hein, moi je veux pas te sauver encore, tu te démerdes. Allez, on traverse la porte et on se casse. Wouah, allez, je vous laisse avec la cinématique, là, que je respire un peu.
tu rêves. Mais comment c'est possible? Mes petits chéris! Mes petits chéris! Dans les années 60, c'était le seul moyen qu'on avait d'arrêter le Führer. Elle pouvait ouvrir des portes vers d'autres endroits, mais un jour, elle s'est volatilisée. Vous avez été suivi? Non, je crois pas. Les nazis ne viennent jamais là, à moins d'y être obligés. T'as pas été capturé par les nazis, alors? Non, ma puce. Je me cache ici parce que j'essaie de rouvrir la porte pour revenir en arrière et réparer ce que j'ai foutu en l'air. Qu'est-ce que t'as fait? Quoi? Réparer quoi? Le monde, ma chérie. Oh, allez, papa. T'as tué Hitler. Hitler avait conçu une sorte de machine d'apocalypse qui s'est activée quand il est mort. L'enfoiré voulait que tout le monde meure avec lui. Max a été le premier à s'en rendre compte. Des perturbations au niveau de la météo, des orages de plus en plus violents, des ouragans. Mais pourquoi tu nous as rien dit? Seth a bien étudié la question. Il n'y a aucune alternative. Ce monde ne sera bientôt plus apte à accueillir la vie humaine. C'est là que j'ai su ce qu'il fallait que je fasse. Après la mort de Seth, ses travaux m'ont mené ici. La nazie française a essayé de se servir de moi comme d'un coursier, mais j'ai réussi à voir clair dans leur jeu. Après, j'ai trouvé ça. Alors utilise-la, papa. Ouvre la porte. J'y suis pas arrivé, ma puce. Pourquoi? J'ai suivi les instructions de Seth à la lettre, mais la porte était fermée et j'ai été frappé par... J'ai vu une vérité qui m'a fait tout remettre en question. Je comprends rien à ce que tu racontes, papa. Il existe une autre dimension. Une parmi tant d'autres. Elle est séparée de nous par l'immensité du temps et de l'espace, et... C'est pas facile. Parle-nous. Dans cet autre monde, la vie est simple et... Tout va pour le mieux pour notre famille. Vous êtes là, à profiter de la vie comme vous le devriez. C'est tellement beau qu'on croirait un rêve. Rien à voir avec notre monde. Celui-là est complètement foutu. À cause de moi. C'est des conneries. Tu te rappelles ce que tu m'as dit dans les plaines? À propos de quoi? Quand tu regardes dans la lunette d'un fusil, t'es focalisé sur une tête d'épingle. Tu te souviens? Ouais. Arrête de te focaliser sur ce que t'as vu et regarde un peu ce qui t'entoure. Peu importe ce qui se trouve dans cette autre dimension, c'est dans celle-ci qu'on vit. Alors il faut qu'on s'arrange pour en faire un endroit qui en vaut la peine. Comme tu l'as déjà fait. Il est peut-être trop tard. Alors on continue à se battre. Ensemble. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est de la part de Seth. C'est pas vrai. Canaliser l'énergie des autres dimensions, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Viens par ici, Jess. Ça devrait être quelque part par là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Avec ça, vous devriez pouvoir infliger une bonne raclée aux nazis, mes chéris. Une vraie grosse raclée. Il faut tuer les Brandt avant qu'ils s'envolent. S'ils nous échappent, ils auront toutes les cartes en main. Mais tu viens pas avec nous?
Les nazis vont mettre le paquet pour vous arrêter. Je vais rester ici pour les occuper. Ne m'attendez pas. Prête à décoller, Kenneth ? Sûrement plus prête que toi, Arthur. Frimeuse. Fais auto-claque-merde. Parle à maman. Saccage. Tut mir leid, General Messer. Was haben Sie gesagt? Sind wir soweit? Jawohl, Herr General. Wir haben den Siegturm gesichert. Sie können jetzt den Angriff auf Berlin einleiten. Mit Vergnügen, General Brandt. Heil dem Vierten Reich! Heil dem Vierten Reich! Ah, es ist so schön, zurück zu sein. Ich habe mich auf dich verlassen, Julie. Was? Du solltest sie außer Gefecht setzen. Und du hast versagt. Mein Liebling, wir haben es geschafft, oder? Hast du irgendeine Vorstellung davon, wie demütigend das war, von drei minderwertigen Jugendlichen überlistet zu werden? Luther, diese drei verwöhnten Schlampen auszunutzen, war die einzige Möglichkeit, sich des Generals und der Überkommandanten zu entledigen und ins Labor X einzudringen. Ich habe hart für meinen Traum gearbeitet. Beinahe sind wir am Ziel. Und fast hast du alles zunichte gemacht. Luther. Halt die Klappe! Du liebst mich aber noch immer, oder? Dreimal darfst du raten. Nein. Soldat, den ersten Aufstieg einleiten. Jawohl, Herr General. Die Geschwister Blaskowitsch sind in Anmarsch. Verdammt nochmal! Jawohl, komm, bereit mal an, Juju. Stell dich vor die Tür. Ist das sicher? Ich gebe dir Rückendeckung. Lothar, ich meine... Stell dich vor diese verdammte Tür! Ok. Bon. On va aller discretos là maintenant. Si on y arrive. Ok, clé de Dieu. Putain, j'ai appuyé trop vite, j'ai même pas eu le temps de lire. Mais bon. J'ai vu L2, mais bon, on va voir. Ouais, il faut que je passe par ces portes là-bas, mais bon. Ceux-là, on va faire comme ça. Hein. Oh, c'est vrai que j'aurais pu les attaquer. Les attaquer directement infiltration, mais bon, au point où on est, hein, on brûle depuis tout à l'heure, donc. Ok, allez. On essaye pour la première fois la clé de Dieu. Allez. Poum! Oh, génial! Super. Je l'ai trouvé! Il se passe quoi là? Waouh! Waouh, t'es là toi! Oh putain, je affronte déjà le boss! C'est le blague! Alors je pense que c'est une partie. Je pense que c'est juste une petite partie du boss qu'on va affronter.
Alors on va se concentrer les amis. Et on va ne pas parler pendant cette partie. Il est parti où cet abruti là? Il est malin ce type. Bon allez. Ouais, c'est bon, il est parti de l'autre côté. Faut aller par où là? Ah par là. Ok, on descend par là. Oula, doucement, doucement. Oh putain, j'ai failli tomber dans le vide. Allez. Pou. Oh mais ça fait rien. Ah mais parce qu'il a pas tiré, c'est pour ça. On va utiliser ça, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, ça peut être intéressant. Alors que. Oula, ça j'aime bien ça. Allez, on prend tout. Tac, 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 tac. C'est la fête, c'est Noël. Allez, on prend tout. Donne-moi ça, voilà. Hop, voilà. On a tout pris. Enfin, le problème maintenant, c'est pour en sortir. Oh putain. Ouais, bah, il y a même le drone. Ouais, non, ça marche pas le. Ça marche pas la clé de Dieu sur ces machins. Allez. J'envoie ce drone direct à la cage. Allez, voilà. Parfait. Bravo, bien joué pour le drone. Allez, on continue. Bon là, je pense que les sous ne servent plus à rien parce qu'on va pas retourner dans les catacombes, hein, ça c'est sûr. On va directement arriver au boss final. J'aime le faire, ce super soldat. Je passe par là ou pas? Je pense que oui. Nickel.
Oula, j'adore ça. Oula. Ah, il donne plein de munitions là. Ah, il donne plein de munitions, c'est que ça approche, ça y est. On est en plein dedans là. On est en plein dedans. Les munitions, les vies, les machins. C'est bon. On est en plein dedans là. Est-ce qu'on peut prendre ça là? Allez, prends. Voilà, nickel. Mais tu vas laisser ma soeur tranquille, toi! Casse-toi de là! Casse-toi! Allez, explose! C'est bon. Voilà, bon. Faut aller par où maintenant? Ah, c'est vraiment là-haut. Allez, bye bye. On va essayer de voir ce qu'il y a par là. Et hop. Nickel. Merci. Merci. Allez, on monte. Et là, ça va être la merde. Dès que je franchirai cette porte. Quoique pour l'instant, ça passe. Cette porte-là, ça va être la merde. Je le sens. Je le sens, mais à 10 000. C'est où? Y'a personne? Ah, si. Voilà, il débarque. Ah, il vient de l'eau, c'est l'enfer. Je dirais que c'est bien, les
souhaitez-moi bonne chance, les amis. Il va être vachement galère à battre cette merde là. Surtout qu'il traîne dans les airs, il affronte même pas au sol, c'est sûr là. Je vais ne pas parler pendant toute cette dualité avec les boss. Franchement, je sens que ça va être horrible. Horrible. Donc, je préfère me concentrer, même si je vais pas mal galérer. Mais je vais pas parler. Là, c'est le boss final, c'est le dernier round. Là. Dernier round avec cette merde de Lockhart. Je sais même plus comment il s'appelle ce con là. Mais bon. Allez, on va se concentrer et on se retrouvera à la fin de notre aventure, les amis. Vite.
marche, sois prudente. Yes! Enfin! Enfin, on l'a eu, cet enfoiré! Wouah! Putain, mais qu'est-ce qu'il était dur! What the fuck! Ouh. Putain, les amis, mais j'ai jamais vu aussi dur que ça! Bon, je vous laisse avec la cinématique de fin, les amis. Tu crois que tu fais quoi dans cet autre... Wouah, je respire enfin! Alléluia! Je suis en train d'écrire mon premier bouquin. Il parle de quoi? De deux frangines. Et de leur aventure de dingue dans le monde entier. Ça te plairait? C'est vachement bien. J'en doute pas une seconde. Et toi? Je traîne sûrement quelque part dans les plaines. Le ciel bleu au-dessus de la tête. Le vent contre mon visage.
des pistes tout autour de moi. Je profite de la vie. Oh merde! Abby, fais plus jamais ça, t'as compris? Faire quoi? Retrouver un mec qui échappe au FBI? Merde. Écoutez-moi tous. On a peut-être freiné les plans du Quatrième Reich pour l'instant, mais tout ça n'est que temporaire. On peut pas faire ça seul. On doit demander de l'aide à nos alliés du monde entier. Une seconde, ça veut dire que... Vous partez? En notre absence, on vous confie les rênes. Le temps de régler tout ça. On va s'en occuper. Et comment, les filles? Vous êtes parfaitement prêtes pour ça. Apparemment, ouais. Okay. Il se passe quoi, maintenant? Les petits copains de Juju et Lothar à Berlin vont venir écraser cette ville. On va les attendre de pied ferme. Super. En attendant, vous êtes partante pour une nouvelle mission? Balance. Les technologies de Juju et Lothar, faut absolument qu'on arrive à s'en emparer. Faut qu'on soit prête quand ça va tomber. Qu'est-ce qui va tomber? Tu sais bien, bon. L'apocalypse. C'était la fin de notre aventure, les amis. J'espère que ça vous a plu. Cette partie de Wolfenstein Youngblood, la fin de cette aventure, a été explosif. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne, évidemment. Et on se retrouvera très prochainement pour de nouvelles aventures qui promettent d'être assez explosifs. À la prochaine. Ciao, bye bye.